Non, j'ai pas dit que c'était génial. C'est toi dans la question. Si tu me dis que je dois dire que c'est génial, moi j'ai jamais dit que c'était génial. Il y a beaucoup de déco à faire. L'endroit est très grand. En chauffage, ça doit coûter beaucoup d'argent. Mais le plus important était de venir ici pour témoigner que voilà, les femmes c'est important, la reconstruction des femmes est importante, on a libéré les choses, maintenant il faut avancer. Et c'est une très belle initiative, donc je suis venu avec plaisir et maintenant je vais surtout vendre ce lieu. Je suis en train d'apprendre le chinois parce que l'anglais je l'ai loupé. J'ai fait des brillantes études donc on m'a sorti de l'école, mais le chinois a l'air plus facile que l'anglais, enfin en tout cas pour moi. Et donc je suis en train d'apprendre ça. Et puis comme j'ai donc été d'abord au Japon, mais ça s'est mal passé. Donc je vais terminer par la Chine. Et surtout, j'ai décidé de lancer des agences en Chine. J'ai discuté avec Harold qui m'a dit, on va t'initier et t'emmener en Chine pour voir ce que tu peux faire. J'attends. Donc mes dates libres sont à partir du 19 juillet jusqu'au 12 septembre. Je dois être absolument... Non, pas du tout. En Chine. Je peux dormir dans un petit lit. Je peux dormir dans un grand lit, je peux dormir sur la plage. Attention, j'ai peur des animaux. Mais je suis d'une maladresse en or. Voilà. Alors, il y avait une très bonne qualité ce soir, surtout pour les gens qui travaillaient, qui étaient là, plus que les gens qui étaient invités, qui n'étaient pas toujours bien intentionnés. Certains sont venus bouffer gratuitement. C'est pas grave, j'en ai vu qu'on prit deux fois le plat. Je ne dirai rien. Souvent des artistes qui n'avaient plus de... comment dire, du cachet, hein, ou alors qui n'ont pas voulu payer la commission d'agence d'un agent immobilier. J'ai des noms que je ne citerai pas, plutôt masculines d'ailleurs. Mais les gens qui ont travaillé, qui ont organisé, respectueux, talentueux, souriants, il serait peut-être temps de les augmenter. Harold, c'est génial, c'est super, c'est enivrant, c'est esthétiquement ce qu'il y a de bon, et ça sent bon, et parce que ça renouvelle la liberté. Merci Harold. Harold, je vous aime. Bravo pour cette organisation. Et surtout, regardez, Harold, s'il y avait encore une organisation, je vous prie, je suis prêt à vous offrir un appartement. Je suis prêt à offrir un appartement, un par femme, chaque année, si vous m'invitez. Parce qu'une organisation comme ça, somptueuse, l'événement, vous avez tout fait, Harold. Vous êtes magnifique, vous êtes mon génie, vous êtes le Einstein de la décoration. Vous êtes le Einstein de la liberté. Vous êtes l'Einstein de la liberté. Bravo! Vous êtes le Mbappé du dribble intellectuel. Vous êtes le Rocco Siffredi de la baguette magique. Harold, je vous aime!